Allez, c'est parti. Salut à tous. Et alors que Tilted Bastion se sub à la chaîne en tier 1 et bam, on remonte à 1000 subs. Merci à toi. Alors, Only Wooden Leg Remain, qui est une map que je connais bien, pas vous cacher. C'est une map assez longue, mais rien de bien méchant là-dessus. Nous allons prendre le temps. Faites-les bien chier. Le 999 qui stresse. Je comprends, c'est pas si évident que ça. Ok. C'était pas là, c'était à côté. Alors, j'ai aucune idée de la difficulté que 8 minutes 10 représente sur cette map. Je viens de voir que je ne passe pas, donc du coup, c'est reparti pour un tour. J'ai jamais su comment on prenait ce start. Je sais même pas s'il faut. Si à la base, il faut plutôt tomber. Je crois qu'il faut tomber ici pour repasser comme ça. Hein. Je crois, mais je suis pas sûr. Bon. Je pensais à un truc là. Qui a eu ses résultats du bac du coup aujourd'hui? Qui pleure et qui festoie ce soir? Yes, vas-y. J'en doute pas. Okay. Ok, go. Attends, les résultats des rattrapages. T'es où pour les avoir déjà fait? Ok. C'est mon CAP en candidat libre. Sérieux? Stylé. Ok. C'est la même date pour les résultats CAP et BAC. Fameux truc que j'ai appris tellement tard. Oh non, le labyrinthe. Je crois que je me souviens plus du labyrinthe. Ah bah non, ça va. Ouais, pour un mec qui s'en souvient plus, on est assez bien quoi. Ok. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas Starkey. Et d'ailleurs, Gwen aujourd'hui, il a commandé nouveau PC, nouvelle chaise. Il va se faire un nouveau setup pour tout. Puisque là, il va recevoir les différents cash prizes. Aussi des compétitions auxquelles il a pu participer et gagner. Ah, il va être ready pour casser des culs l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, l'année qui arrive, quoi. Et alors que Xenoidex se resub. Et oui, je fais le PVM. Merci beaucoup pour ton resub. Yobipa. Nouvelle co, pas nouvelle co, mais en tout cas nouveau PC. Ça rendra son stream moins dégueu. Je sais pas s'il a restream depuis le retour de la ZRT Cup. Faire Gwen. Je vais le faire dans ce sens. Voilà. C'était en safe, mais c'est pas grave. Ouais, il a restream. Ok. Ok. Oh, non.
Je savais que c'était à gauche, mais je pensais pas que c'était aussi close. C'est un léger miss, donc c'est pas très très grave. Pour le moment, ma run est plutôt correcte, j'oserais dire. Je reste en contact avec lui. Si c'est de nouveau duo, on le refait ensemble, ça, aucune idée. Ça dépend des différentes offres, des gens en dispo, etc. Et sinon, du coup, on reste en contact. Oui, de toute façon, bah, on a fait la Random MX Cup ensemble hier soir, c'était bien cool. Oh, sérieux. J'ai toujours eu du mal avec ce passage-là. Bon, de toute façon, il faut que je refasse une run de full remémorisation de l'ensemble. Ah, j'ai retouché encore. Je sais pas ce que j'ai. Toujours cet endroit là. Quelle place hier soir on a fait deuxième du courant de MX Cup. J'aurais fait 29e TTC Tech et deuxième Random MX Cup. Quoi. Une soirée productive sur la scène e-sport. Il y a un boost que tu rates. Ah ouais? Ah bah c'est peut-être pour ça du coup. Et l'année prochaine t'en pensais quoi? Non, bof. C'est trop haut, genre. Et puis ce serait pas intéressant pour les défis. Duo c'est parfait parce que t'as vraiment cette cohésion que tu peux avoir entre les deux joueurs et tout. Trio c'est un mauvais chiffre. Trio c'est le chiffre à la dispute et aux emmerdes. Non, forcément que je... Ça fait idée très pessimiste dit comme ça, mais... Il y a un peu de vérité. Duo, c'est beaucoup plus facile à gérer et tout, quoi. Ça dépend des cas, putain. Je passe à côté d'un pilier en pierre, avec un coin plus foncé, c'est le boost. Ah. C'est vrai, Starkey. Mais t'inquiète pas, t'étais pas le seul du tout. Malheureusement, j'ai pas pu tout montrer de ce que j'étais capable de faire. Mais c'est déjà pas mal. Et en tonnoir. C'est vrai que... En vrai, cette année avec la TM Cup, je me sentais bien... Pas bien chaud et bien à l'aise niveau perf de manière générale. C'est assez bizarre comme feeling. Ouais, ça faut faire hyper gaffe à cet endroit là. Voilà, là c'est bien. C'est très nice ça. Yo hello. Putain, j'ai encore spammé du TFT aujourd'hui. Terrible! Soit un ingrat. J'ai encore spammé du TFT. Je sais même pas si j'ai fait une win aujourd'hui. En vrai, je m'en sors de mieux en mieux, je trouve. Ellie. Eh oui, Scrappy. T'étais avec moi et que t'étais en game. Waouh! Bon, j'avoue que. Poisson qui sauve Gizrapi. La game qu'on a fait ensemble, c'était la pire game pour moi, quoi. Genre vraiment, rien n'allait. Rien n'était bien. Yo, soit. Vite à test, mais ça a l'air très complexe. Non, c'est pas vrai ça par contre. C'est un peu la peur que j'avais, alors qu'en fait, non, il faut juste. Enfin, je dirais que c'est comme tout, quoi. Quand tu commences à apprécier le truc et tout, bah, il faut bien se pencher dessus, mais c'est pas si complexe que ça, et y a quand même pas mal de luck aussi dans le lot, donc voilà. Alors, en vocal, pas forcément, hein, Starkey. Disons que...
pour le bien du live, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais on en a fait hier du TFT Viewer. Hier en fin de soirée. C'est bien cool. Ok. Nice. Imagine Swazi quoi. Oh, je savais même pas qu'il y avait ça. Ok, faut faire hyper gaffe. Ok. Mais non, mais bon, vocal à 8. Genre. Là le bordel quoi. Ok. Donc on arrive à la fin. Ouais, soit. C'est pas comme ça que je voulais le prendre, mais c'est pas grave. Je pense en refaire ce soir. Je sais pas. Je sais pas, peut-être un coup. TFT, c'est Teamfight Tactics de League of Legends. Ok. Donc un petit 10-27. Donc il faut faire en dessous de 8-10. Bah écoutez. J'étais joueur LOL de base, j'en ai fait beaucoup, mais ça faisait un petit temps. J'avais arrêté quand même. Oui. PS Pike. Dans Saiyan. Bon allez, c'est parti, on va améliorer cette map. On termine cette map et après on va sur Moonbase du coup. Cette map à la limite je l'apprécie, mais Moonbase je crois que ça s'appelle comme ça hein. Un peu moins. Mais bon, on va voir. Ah, c'est surtout que celle-là, je la connais bien et je l'ai quand même déjà bien train. Bien roulé. Ça n'empêche, avec ce système de PVM, de devenir fort sur tellement de maps. Quoi. On traîne la régule, et alors que Starkey se sub en tier 1, merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu un sacré drop de sub ces dernières 48 heures. Et c'est normal, comme je vous l'avais dit, hein, de toute façon. Je vous l'avais dit. Et Planed. Ok. Nice. Ça, les maps RPG, exactement. Exactement. Et j'ai bien release pour retomber correctement. Néo. Oh, j'ai trop mal atterri. Je pense pas. Hein. J'ai juste à foutre ça. Et let's go. Let's go. Bonjour. Tu as pratiqué les maps RPG, t'es en mode entraînement pour des cups comme la CRT. Oui. Totalement. Totalement sûr. Parce qu'en fait, si vous voulez, mine de rien, si vous faites ce genre d'entraînement et d'exercice comme le PVM et RPG, ça t'entraîne à être régu sur une map de 2, 3, 4, 5, 6 minutes quoi. Et du coup, bah déjà rien que pour la régu, ça peut être hyper intéressant. Et après, il y a la partie tricks et complexité des cartes. Il va bien avec la ZRT Cup aussi quoi.
Pas tout demander à Poisson Rouge. Il est déjà assez généreux sur cette chaîne. Ok. Nice. Nice. Pour le moment, c'est bien parti. J'avais un start pas trop mal à ma dernière run. Là, j'ai 5 secondes du coup d'avance là-dessus. C'est pas dégueu du tout. Ah bah yes. Alors, en soi, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave puisque j'ai fail sur ma run un petit peu après. Donc on va gérer ça. Voilà, ici. Ouais, donc c'est vraiment direct à gauche quoi. Ok, c'est ça que j'avais pas pris en compte tout à l'heure. Bon, et bien évidemment, il y a le passage juste après ça. Le problème c'est que... Ah, j'aurais dû regarder le fameux boost au pilier là. J'ai aucune idée de comment le prendre là maintenant. Yogurt. Et il y a aussi Isto ici présent. Wow, alors que Poisson se gift. Pilote en mousse. Très gentil. Merci Poisson. Ah, il est là le boost. J'ai vu. Ok. Bon, je passe quand même, mais j'ai vu le boost. J'avais fail ici, pas de fail là pour le moment. Oh, c'était... Oh, c'était tellement clean. Ok. J'avais été très lent ici. Et là, j'ai tellement plus de speed. Ok. Putain. Bon, j'ai perdu un peu de speed, mais ce sera toujours mieux que ce que j'avais fait avant. Ok. Il dure ce jump. Wall it, c'est pas grave. J'ai pas calculé que j'avais autant de speed. Nice. Et 8 minutes 10, c'est pas évident. Hein. Elle est trop cool cette musique. Retiens, Ben. Ouh. Allez. J'ai failli me faire Starblunt. Ah nice. Bah profites-en pour bien te reposer sur le TFT. Salut à tous. Alors que Floofy sur Issa pour 2 mois d'affilée. Merci beaucoup Floofy. Nice. Je pensais à Wolfie Floofy. Ah, pourquoi je prends mal ce passage? Je sais pas si j'avais le droit à cette erreur là. On va très vite le savoir. Et l'eau qui n'a qu'un seul répertoire de conversation ce soir. Yeah. J'ai chaud. À votre avis, est-ce que j'avais le droit à cette erreur là?
Non. C'est une joke. Pourquoi ça m'a sorti du caillou là de merde? En vrai, j'étais bien. Allez! 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 Ah, oh, bah ça va en fait! 8.07.72! Mais nice! Je pensais pas du tout! Chais! Sois-y là! Ok!